Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi. Alors c'est pas un poisson d'avril, il y a judo aujourd'hui. Donc on va revoir les techniques d'immobilisation qu'on connaît déjà, mais bon, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas travaillées, donc on va revoir ça. Mais avant tout, un petit échauffement avec des exercices qu'on a vus samedi dernier. Allez! Comme on connaît déjà les exercices, on va essayer de les enchaîner. Et à chaque fois, on va compter 5. On attaque tout de suite par le papillon. On attrape ses pieds et on fait battre les ailes du papillon. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Tout de suite, on passe par terre et on fait le ver de terre. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. On fait le lézard. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout de suite, on passe au canard. 1, 2, 3, 4, 5. La grenouille. 1, 2, 3, 4, 5. On va passer au ouistiti. Le ouistiti, il avance sur ses pattes. 2, 3, 4, 5. Et on a enfin le gouri. 1, 2, 3, 4, 5. Les animaux sont terminés. On attaque un petit peu les chutes. On commence par la chute arrière. Donc je m'assois, je rentre bien mon menton. Interdit de lever la tête, autrement on va se cogner la tête. Mes mains sur les genoux, je lève mes pieds. Au moment où je lève mes pieds, je tape près des fesses. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va essayer de faire une chute sur le côté. Donc je me mets à quatre pattes, ici, j'enlève un bras, je roule et je tape. Je reviens, j'enlève un bras, je roule et je tape. J'enlève un bras, je roule, je tape. J'enlève un bras, je roule, je tape. La chute avant. Je lève un genou, ici j'ai un trou, je pose mes mains dans le trou. Je regarde du côté où j'ai posé mes mains, je viens poser le genou devant, hop, et je tape. Je lève l'autre genou, je pose mes mains dans le trou, je regarde du côté du trou, j'avance mon genou, je roule, et je tape. En marche arrière. Donc je plie un genou. Le genou, je vais essayer d'aller le coller contre mon épaule et je regarde surtout dans la direction de mon épaule. Mon bras, je vais le jeter sur le côté et je me retrouve à genoux. Si je me rappelle, je fais tout le cheminement dans le sens inverse. Je viens poser mon épaule et je roule vers l'avant. Je plie mon autre genou. Je regarde mon épaule, je lève mon genou vers mon épaule et je fais dans le sens inverse. Voilà, on en a fini pour l'échauffement. Voilà. Comme j'étais tout seul à la maison, j'ai amené Jojo, c'est mon copain d'entraînement, quand je suis confiné. Donc première technique, Gezagatame, contrôle latéral. Ou contrôle en écharpe en japonais. Donc, notre ami Jojo, il va se mettre tranquillement par terre et je vais m'asseoir à côté de lui. Alors, vous avez l'habitude, hein, j'ouvre la portière ici, je viens m'asseoir dans la voiture. Une fois que je suis assis dans la voiture, je viens accrocher ma ceinture de sécurité. Donc, le bras sous mon bras. Ensuite, je viens saisir le volant. Clac. Et je viens écarter mes pieds sur les pédales. Voilà. Et là, je suis en Ongezagatame, contrôle latéral fondamental. Pour ressortir, je rapproche mes pieds, j'enlève la main du volant, je décroche la ceinture et je sors de ma voiture. Deuxième technique d'immobilisation, Yoko Shio Gatame, contrôle en quatre appuis ou à quatre pattes,
sur le côté. Donc forcément, je vais me mettre sur le côté de Jojo. Hein. Ici, j'écarte un petit peu son bras. L'autre bras aussi, je l'écarte. Et je vais mettre ma poitrine sur sa poitrine. En même temps que je mets ma poitrine sur sa poitrine, je viens saisir l'arrière de sa tête. Comme ceci. Mon autre main, elle va passer sous le bras de Jojo. Ici, pour lui faire un gros câlin. J'oublie pas qu'il faut que j'ai les genoux bien écartés sur les côtés hein, et collés à mon Jojo. Tac. Alors, une autre solution, ça aurait été d'attraper la tête de Jojo et au lieu de passer ma main sous son bras, d'aller lui chercher entre les jambes comme ceci et de le saisir très très fort. Yoko Shio Gatame. Deuxième technique d'immobilisation. Tate Shio Gatame. Shio, vous avez bien compris, hein, c'est la position à quatre pattes. Tate, ça va être à cheval. Gatame, le contrôle. Donc, contrôle à quatre pattes, à cheval. Donc, je vais monter à cheval sur mon Jojo, ici au niveau de sa ceinture. Voilà. Alors là, il est un petit peu petit, donc je suis obligé de reculer. Ma poitrine, je vais toujours l'appuyer contre sa poitrine. Ma main, elle va venir saisir sa tête par derrière. Et là, il y a un petit détail. Ici, je n'ai pas envie, comme je ne me suis pas rasé ce matin, de gratter la joue de Jojo. Donc, je vais prendre son bras, je vais le mettre entre nos deux joues, comme ceci, et je vais le mettre de son côté. Ça, ça va m'aider à utiliser ma main pour m'équilibrer plutôt que pour le retenir. J'enlève sa main et j'enlève. Dernière technique ce matin à réviser, Kami Shio Gatame. Alors Kami c'est les cheveux en japonais, donc Shio toujours à quatre pattes, Gatame le contrôle, donc contrôle à quatre pattes du côté des cheveux. Alors notre Jojo il en a pas beaucoup, mais c'est pas grave, hein, ce sera du côté de sa tête. Alors comment est-ce que je fais? Je me mets face à la tête de Jojo. Ici, mes mains vont se poser près de ses oreilles. Vous avez vu, il a des grandes oreilles en plus. Donc, je vais poser mes mains près des oreilles et elles vont glisser sous ses épaules, dessous, pour venir attraper sa ceinture. Ici. Une fois que j'ai fait ça, je ne vais pas mettre mes fesses sur son nez. C'est ma poitrine qui va venir sur son visage. Si je ne veux pas avoir les fesses en l'air, il faut que j'écrase bien ma poitrine vers le bas et que j'écarte bien mon genou. Et là, normalement, Jojo ne peut plus bouger. Kami Shio Gatame. Pour réviser, ici, la première technique. Ongeza Gatame. Yoko Shio Gatame. Tate Shio Gatame. Et Kami Shio Gatame. J'espère que tout a été très clair. Avec Jojo, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver samedi pour le prochain cours. Allez.